Hop. Et re. On va pouvoir continuer Twilight Princess. On avait fait un peu pas mal de secondaires hein, la dernière fois de mémoire. C'est un peu fort, dis donc. C'est un peu fort. Non? Oh non, ça va encore. Ça va, c'est juste moi qui... C'est trop fort dans mes oreilles. Par contre, clairement, il y a un problème. Oh purée, c'est lequel? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi je le trouve pas là? Tac. Houston, we have a problem. Tac, c'est toi. Très bien. Ah, mieux déjà. Beaucoup mieux. Un petit peu plus clair. Oui, on avait fini le temple de l'eau, non? Ou on l'avait déjà fini le jour d'avant? Si, on avait fini le jour d'avant, là, il fallait qu'on aille... Je sais plus où. J'ai un doute... Que j'avais bien sauvegardé la dernière fois. Je commence à douter de ce que j'ai fait. Il faut qu'on monte par là. Pas du tout par là en fait. Qu'il faut que j'aille ici. C'est par où qu'il faut que j'aille? Bah non, c'est pas du tout par là en fait. Je suis en train de tourner en rond. Ah si, oui, je sais ce qu'il fallait qu'on aille faire. Si on lui avait montré. Par où? Pas par là. C'est par là-bas. Par là-bas et... C'est vrai que quand on est sur du Zelda, on se met... Comme ça. Ah, beaucoup mieux. Il fallait qu'on parle à lui. Et bah allez, vol Oasis. Un vol Oasis 1, si monsieur veut bien se donner la peine. C'est parti! Un vol Oasis, un. Il manque un truc dans le titre. Qu'est-ce qui manque dans le titre? Non, il manque rien. Et paf! Et voilà, on se retrouve dans le désert Gerudo. Est-ce qu'on a la musique du désert? On veut la musique du désert, hein. Attention, attention, attention. Attends. Ouh, elle a quelque chose à nous dire. Avant de continuer, j'ai quelque chose à te dire. Tu viens de ce qu'a dit l'esprit à propos du cristal d'ombre. Ceux qui ont essayé de s'emparer de la terre sacrée, que crois-tu qu'il leur soit arrivé? Ils ont été bannis. Les déesses les ont envoyés en exil dans un autre monde. C'est un monde complètement différent, un monde sombre à l'opposé de votre Hyrule. La lumière est partout. N'importe quoi, Captain. Ce monde complètement coupé, la lumière est appelée Crépuscule.
Et de ce ceux qui tombaient dans ce monde des ombres, nul ne pouvait revenir. Ils ont été condamnés à vivre dans le crépuscule éternel, dans ce monde qui n'est rien d'autre qu'une ombre d'Hyrule. C'est de là d'où vient Xanto et Midona, du coup. C'est l'histoire du peuple des nombres. De notre peuple. Tel que nous la passons de génération en génération. Ouf, c'est mal ça. As-tu compris maintenant ce que je suis? Je suis une des descendants de ce peuple expulsé du monde de la lumière par les déesses et jeté dans celui des ombres. Bah, si tes ancêtres avaient pas fait de la merde. Après, voilà, ils se sont reproduits dans le monde des ombres, ça c'est. Effectivement, toi t'y es pour rien, mais. Mais Xanto s'est emparé du pouvoir et il a transformé les habitants du crépuscule en créatures des ombres. Xanto. J'ignore comment il a fait, mais il est entré en possession d'une magie très puissante, différente de celle du peuple des ombres. Maintenant, il nous est impossible de rentrer dans le crépuscule sans son pouvoir. Mais il existe une autre légende racontée par mon peuple. Bien que les déesses nous aient interdit de retourner dans le monde de la lumière, elles ont laissé une porte. Entre lumière et ombre. La clé qui ouvre cette porte s'appelle le miroir des ombres. Il a été confié au protecteur d'Hyrule. Avec le miroir, nous pouvons entrer dans le crépuscule et Xanto se trouve certainement là-bas. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Oui. Direction le miroir des ombres. Petite musique, Désert Gerudo. Où est la vraie musique? On n'a pas la vraie musique du Désert Gerudo. Alors déjà là-bas il y a quelque chose. Oh là il y a quelque chose aussi. C'est quoi? Ah c'est une âme. Je veux devenir Halo. Non. Vous m'embêtez, vous, hein. Là. Ça manque la vraie musique du désert Gerudo, hein, vous trouvez pas? Oh, il y a encore des bestioles. On va explorer un petit peu. Alors, attendez. On va redevenir un Link. On va explorer un petit peu quand même. Putain, il y a encore ces machins là. Oh oh oh, dis donc, est-ce qu'il y aurait pas un insecte là? J'ai eu. Et un éphémère. Bon, il risque pas de vivre très longtemps celui-là. Très bien. C'est un trou ça? Oui, c'est un trou. Il y a l'air d'y avoir quelque chose par ici, non. Du moins pas accessible. Non, là y'a rien. Là y'a quelque chose par contre, mais quelque chose qu'on ne peut pas faire maintenant. C'est sûr même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire maintenant, ok. Très bien. Il y a un genre de vallée.
Ok. Là-bas. Oh. Eh ben on a les deux insectes du désert. Trop bien. Est-ce qu'il peut nous amener là-haut? Mais est-ce que ça nous intéresse ce qu'il y a là-haut pour le moment? Oui, on va y aller parce que je crois qu'il doit y avoir quelque chose par là, non? Il n'y a pas un... Ou alors faut carrément monter? Attendez, attendez. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose ici. Non? Laisse-moi tranquille. Allez, laissez-moi les bestioles, là. On va se mettre là, hop, au moins ils nous en mettront pas. Et je pense... pour réussir à atteindre cette chose. Ah non, juste ça. Très bien. Et après... Là on est bon. Ah! J'ai bien fait de venir ici. Je savais bien qu'on aurait un portail qui s'ouvrirait là. Allez, faut qu'on se débarrasse de ces choses. Il y en a combien? 1, 2, 3. Aïe! Non, laissez-moi tranquille. Toi. Trop fort. On a réussi. Merde, j'avais pas vu, j'ai reçu un appel. Encore une fraude potentielle. Trop bien. Un appel qui vient d'Italie. On est content. On va remonter par là. Il y a l'air d'y avoir des choses là-haut, mais je sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit utile pour le moment. Tu voulais dire quelque chose? C'est quoi ce truc? On le téléporte. Ah si, je sais. C'est le pont d'Ordine qui est cassé, c'est ça? On va l'amener maintenant, même si on va se re-téléporter là après. C'est juste que là, on va en avoir besoin pour le moment, je pense. Et du coup, maintenant, on va pouvoir traverser le pont. Avant, on pouvait pas, on galère un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais bizarrement, ça va pile au ici. Hein. Bon, mais du coup, je veux qu'on retourne dans le désert parce que c'est là-bas où on est censé aller. En plus, on a, il y a le loup maintenant. Qui doit être dispo parce qu'il était là-bas, on l'avait débloqué la fois dernière et apparemment il est dans le désert. Enfin, il est à l'entrée du temple du miroir là-bas au fond, donc c'est notre objectif. On va aller par là-bas.
plein de trucs là. Ah! Alors. Viens là toi. Tu peux pas lui grimper dessus? À l'attaque. Tout casser hein. Difficile à viser hein, comme aïe. Ah non, j'ai cru que j'avais tué le sanglier. là-bas, il y a un truc. Stop! Arrête-toi. Stop. Attends-moi ici. J'ai vu qu'il y avait un truc. Très bien. Il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. Est-ce que c'est, mais il y a un truc. Ce soir, je bats la ligue des deux jeux, Earthgod et Soul Silver. Ah, putain, mais tu t'avances grave vite. Tiens, d'ailleurs, Johan, je sais pas si t'as vu la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, mais le titre parle de toi. À l'attaque. Ah, mais emprunté. Allez, debout. Je vais leur faire la sieste. Merci. Très bien. En avant. Alors, gauche ou droite? Gauche. Bah gauche. Des flèches. Très bien. Oh, un rubis jaune. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Des fois qu'on a oublié depuis la dernière fois à quoi ça correspond. Cœur. Un rubis bleu. Voilà. Blablabla. Et un rubis bleu. Ok. Ah! Bonjour! J'avais oublié qu'il était là. Alors. Les techniques que je vais t'enseigner dorénavant sont des bottes cachées des profanes. Ces bottes que je vais t'enseigner ne sont point sans danger pour celui qui les pratique. On va apprendre quand même. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise du brise-casque.
Non. Voilà. Je vais donc te montrer la cinquième botte. Le coup est clair. Ah oh putain, celui-là je m'en sers jamais par contre. Il est ultra chaud à se servir le coup éclair. Face à pareil adversaire, il te faudra trouver une autre technique. Tu dois les surprendre et pour ce faire, il te faut le coup éclair. Tout d'abord, garde la lame dans ton fourreau et ignore le bouton Z. Sa vigilance endormie, l'ennemi te laissera approcher en son giron. C'est là que d'un seul geste, avant que l'ennemi ne comprenne ta manœuvre, tu dégaines et tailles en pressant directement sur A. Le coup est clair. Ok. Ok. Il lui reste encore deux bottes. Ok. Je sais qu'il y en a une dans le... Bah attends, non, normalement je devrais peut-être avoir une stèle par ici. Ah purée, gauche ou droite. Genre ici y'a rien. Mais si, c'est parce qu'il fait jour. Pas casser ça. Ouais, c'est parce qu'il fait jour. Normalement, quand il fait nuit, que le soleil se couche. Yes. Normalement, quand il fait nuit, je crois qu'ici il y a une âme de spectre, mais je suis pas sûr. C'est un peu louche hein, comme endroit. Non ? Pas là ? Ah, si ! Hop, voilà. Tan tan la la. Je vois qu'il y a des trucs à creuser. C'est quoi? Ouais. Voilà, laissez-moi travailler. Voilà, merci. Un cœur, donne le cœur. Ok, de toute façon, je suis sûr qu'il y en a plein. Il y en a plein qu'on a raté dans le désert. Il y en a plein des âmes de spectre. Mais on viendra les rechercher plus tard. Là, on veut avancer, nous, donc on veut avancer par là. Alors. Remets-moi en humain, j'ai des choses à faire ici. Y'a rien par là. Bon, clairement, à tout moment, je vais me faire repérer, hein. Donc là, opération. Alors, regardez, on va même faire mieux. Hop. Où est-ce qu'il est ? Ah.
Tac. Alors qu'on reste discret. Hein. Ah oui, merci. Non. J'ai l'impression qu'on peut bouger ça, mais... Ça va, ils dorment tous. Oh, il y en a un là-haut. YouTube, un point d'exclamation YouTube, mais tiens, regarde, hop. Je donne le. Ah, il y en a un là-bas aussi. Genre. Ah, si, j'arrive à le voir d'ici. Il y a l'air d'ailleurs personne. Je suis mort rien que sur la miniature. Ah ouais, non, mais tu vas voir, hein, c'est magnifique. Hein. Aussi, il y en a un là. Alors, il n'y en a pas là-haut, c'est pas possible ça qu'il n'y en ait pas là-haut. Non, pourtant il n'y a personne là-haut. Mission infiltration, hein. Ah, y en a un là-bas en bas. Ah, Johan sauvage. Ah merde, j'ai été repéré. Il n'y en a plus de ce côté de toute façon. Là-bas. La cam arc-en-ciel. Alors attendez, parce que là je peux pas lâcher mon bouton. Merde, je les vois pas d'ici. La cam arc-en-ciel.
Enfin, la cam floue là par contre du coup. Ouais, c'est pas spécialement mieux. Non, c'est pas ça que je veux faire. Toi, t'es mort. Ah. Toi aussi. J'entends quelque chose, je sais pas ce que c'est, si c'est la clé, si c'est un insecte. Attends, il y en a un là, non? Non, je crois que c'est une clé qui a été droppée. Putain, c'est lui là. Et la clé, parfait. Et de mémoire. Je savais bien qu'il y avait un truc ici. Ok, du coup on a buté tout le monde. Aïe. Il y a un petit coffre là. Oh. Après la richesse. Du coup on va pouvoir ouvrir ça, mais il y avait quoi pour qu'on veuille ouvrir ça? Il y a un cheval. Ah non, il y a un... Il y a un cochon. Bon. Ah, c'est notre pote! Il est de retour. Mais non, mais pourquoi tu tues le sanglier? J'en ai besoin, moi. Oh... Ah, trop facile. Mais il est résistant, hein, on l'a pas tué. Hein. Ah, il a mal quand même. Au revoir. Mais pourquoi il a fait ça? Houston, on est dans la merde! Viens là. Viens là. Plus rapide comme ça aussi. Alors, on va laisser notre cher ami le sanglier ici et on va explorer un peu aux alentours. Et on n'aurait pas des choses intéressantes. Oh non, des choses intéressantes, j'ai dit, pas des choses casse-couilles. Allez, laissez-moi tranquille. Voilà. J'ai vu pour le Meltan. Ça va, tu l'as eu en pas beaucoup, ouais, génial.
Ouais, on en a eu un. Maintenant, il faudra le deuxième, mais on en a eu un au moins. Par curiosité, on a combien d'âmes de spectre? On en a 11. Il y en a 100 hein, des âmes de spectre, je crois. 100 ou 60, je sais plus. Alors là, déjà, là, il y a quelque chose. Viens là, toi. Voilà. Tac. Ça, c'était assez évident. Demain, à la 14e boîte. Bah, demain j'ouvre, je réouvre les premières boîtes que j'avais ouvertes. Enfin, les sur les premiers comptes. Donc, bon, très bien, un rubis violet. Par contre, faut arrêter les rubis parce que je suis capé à combien, moi? Je suis capé à 500, on est d'accord? Elle est où ma bourse? 600 rubis. Et là, on va arriver dans un temple. Hein. Ça m'embête un peu. Ah, je l'aime pas ce temple en plus. C'est vraiment un des temples que j'aime le moins. Tour du jugement. Très bien. Très bien. Alors, attendez, attendez. Moi, je veux aller là-bas, mais je peux pas y aller là-bas. Est-ce que je peux m'accrocher quelque part? Yes, je peux m'accrocher là. Je peux m'accrocher là, je peux aller là, ensuite je peux aller là. Après je peux aller là. Ah ah ah, vite, par là. Eh, hey, tu te prends pour qui toi? Ah, 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 accélère, 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 accélère. Et d'où tu sors, toi? Est-ce que je serais pas plus léger en loup? Pas du tout. Ah, je reviens ici. Oh, chiant. Chiant, faut que je refasse le chemin. Faut que je refasse le chemin. Ah ah! Vite, vite! Monte, tu peux y attendre! Merci Omar à Langarif pour le follow. Et non, je ne parle pas anglais. C'est pour ça que je répondrai pas en anglais. Allez, 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 grimpe! Voilà, merci. Est-ce que je peux... C'est bon là, voilà. Ouais, voilà. Surtout que j'ai la flemme de parler anglais. Très bien. Droite. Quoique gauche. Ah. Oh. Rempli. Très bien. J'en ai encore de la gelée jaune.
Rempli. Je vais la garder du coup, hein, la lanterne, parce qu'on va sûrement en avoir besoin. Là, on n'a pas de clé. Là, on a une clé. Ouais, t'étais pas obligé, hein, j'avais compris ce qu'il avait dit. Hein, j'ai pas envie de répondre. Ok. Ah. Très bien. Oula, il y a du monde là. Ah, là. Ah. Laisse-moi remonter. Mais meurs, toi. Toi aussi. C'est bon, vous êtes tous morts? Très bien. Maintenant, on me laisse avancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pense de Ganondorf? Bah, c'est Ganondorf, quoi. On est dans la salle principale, là, je pense. Seems like Forest Temple. Oh là là. Très bien. Trop bien. Tu crois que je vais te laisser partir? C'est vrai qu'il faut l'attaquer à un certain moment. Là. Donne-moi ton âme. Merci. Bon bah non, en fait, tant que les profs répondent pas, je peux pas les faire. Ah, rip. Allez, donc là, il va falloir qu'on récupère les 4 âmes. Ça va être sympa. Ok. Odeur d'Iria pour mes virus. Ouais, maintenant, conseil, oui. Alors. Il y en a un qui est parti par l'en bas en bas. Mon prof de maths qui répète toute la visio. Si vous me posez une question, je répondrai quasiment instantanément. Très bien. Pourquoi je sens... Ouais, ok. Il est passé par là, mais je pense que j'imagine que je pourrais pas faire grand chose. Là, c'est clairement un cul-de-sac. Oh, laisse-moi tout. Non, c'est pas clairement un cul-de-sac. Il y a une pièce à droite. Il y a quelque chose à droite, là. Alors, attends. Il y en a d'autres, des comme ça, là. Que je me fasse pas avoir. Non, vous êtes tous des faux. Parfait, très bien. Pousse.
Ah! Ça fait flipper quand on s'y attend pas. Ah bah j'ai bien fait, hein. Pourrais-tu redevenir humain? Je crois que de mémoire, il y a une feinte et il y a un trou au plafond. On pousse encore. Non? Bon, on a vu qu'il montait, donc on va supposer que c'est par là. Mais j'imagine que d'ici, on a rien, on a aucune info. Ah bah si je pouvais. Alors attendez. On va essayer de faire les choses bien. Off. Est-ce que j'irai pas d'abord voir ce qu'il y a là-bas au fond? Et on reviendrait pas ici plus tard. On sait comment faire. Moi je pense que là, c'est un cul-de-sac ici au bout. Ah c'est pas du tout un cul-de-sac. Demi-tour. Je veux pas aller par là alors. Où est-ce qu'il va après? Ah ouais, il va clairement par là. Bah clairement, moi aussi je vais par là-bas. L'autre côté, je pense qu'on ira plus tard. Du coup. Aïe. Bien. Ok. Et là, si je me mets comme ça. Voilà. Mais. Ok. Et du coup, là, on a une porte. On a une porte avec. Et ben on a déjà. What? Pourquoi il y en a 3? Mais il n'y en a pas 3, il y en a. Il y en a. Bon, pour qui? Là. Non, c'est pas le moment. Voilà. Donne ta bouboule. Merci. Ça fait deux. Il en reste plus que deux à récupérer au final, donc ça va aller vite. Hein. Ici, on a un cul-de-sac. Bon bah, demi-tour. Demi-tour, mais en humain. J'aime pas trop me déplacer en loup, c'est pas. Du coup. Hop. Voilà. Du coup, celle-là, c'est fait.
Ok. Wait, wait, wait. Il y en a quand même une qui est rentrée là-dedans, en fait. Ah oui, il y en a une qui était allée à droite et il y en a une qui est allée tout droit quand même. Et là, après, elle va où? Elle va en haut à gauche. En haut à gauche, là-bas. Ok, donc nous faut qu'on aille là-bas aussi. Très bien. Bah, allons par là-bas. Ah! Faut pas me faire des feintes comme ça. Alors toi tu me gênes. Voilà, merci. Oh. Ça on peut y déplacer ou pas? Oui, on peut y déplacer. Oh, merci. Et je dirais que faut qu'on se déplace là-bas. En plus, ça libère ça. Voilà. Là-dessus, j'imagine qu'on ne peut pas y monter. C'est pas ce qui... Ok. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de venir là en fait? Il y aurait quelque chose caché? Tant non. Ah parce qu'il faut remonter super loin en fait, c'est ça. Ok. On pourrait pas essayer d'atteindre le milieu. Un trou au milieu, non? Est-ce que ça a un intérêt d'atteindre le milieu? Non. Oh, mais dégagez-vous! Alors, ici, nous avons un coffre qui contient la carte du donjon. Ah, la boussole! Très bien. Moi j'aurais bien aimé commencer par avoir la carte. Mais on va faire avec. Non, déjà il y a deux coffres au rez-de-chaussée. Que je n'ai... Si ça se trouve la carte est là-bas et je suis passé à côté. Et what? Premier étage. Il y a un coffre là, très bien. Et là, c'est de là où on vient. Donc là, faut juste qu'on... Ah, dans l'autre sens alors. Ah, non. Voilà.
Hors de question que je les attaque en étant humain. Une clé. Une clé. Pour aller ici, ok. Par contre, est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin? Oui, on est toujours sur le bon chemin. Ouah ouah, ils sont puissants, dis donc. Ah. Ouais, y en a deux. Pas dans le sable, pas dans le sable. Je vais m'enfoncer. Les hommes les attaquent en, humain. Non, 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 t'es malade, toi. Par contre, il y a clairement quelque chose qui me perturbe. Non, 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 non. Reviens là. Il est clairement à l'intérieur, là. Attendez, attendez, attendez. Non, 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 demi-tour. Où est-ce qu'il est? Ah, je me disais bien aussi. Je l'entendais. Amène-toi. C'est quoi la fumée? C'est leur odeur en fait. C'est comme ça que j'arrive à les repérer. Un de moins. Très bien. Bah on va continuer par là. Hein. Ouais. Il y a un coffre à droite, mais bah, voilà, on arrive. Ouais. Bah, il est là. Ah bah j'ai bien fait d'ouvrir ce coffre. Petite clé. Aïe! Aïe! Oh, dis donc. C'est des souris... des souris invisibles, trop bien. Il y en a encore beaucoup là en bas. J'ai tout battu. Par contre, j'ai presque plus de vie. On va casser tous les crânes là. Non, je veux de la vie, pas du. Ah mais en même temps, si tu passes par le côté où le chemin est beaucoup plus difficile... Voilà.
Beaucoup mieux par là. Cœur. Cœur. Voilà. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé aller chercher les deux coffres qui sont en bas. Je suis sûr qu'il y en a un, c'est la... C'est la carte. Après, il a l'air assez linéaire comme donjon, donc je devrais pas trop peiner. On est déjà venu dans cette pièce, non? Attends. On est déjà venu dans cette pièce. Moi je veux aller... Il y a un coffre là-bas en plus. Attends, non, on n'est pas venu dans cette pièce. J'ai l'impression d'être déjà venu, mais non. Ah. Bon alors, toi tu vas te détendre tout de suite. Voilà, merci. Un peu occupé. Clairement, ça il faut y pousser par là. Alors jusqu'à où je l'ignore. Oh, un coffre. Oh là là, quel enfer. Je vais plus pouvoir... Je vais plus... Si je trouve encore des coffres avec des trucs dedans, ça va être un enfer. Oh merde. Je vais plus pouvoir les ouvrir. Alors non, moi je retourne de l'autre côté, il y a un coffre là-bas et je partirai pas si j'arrive pas à trouver une solution. Du coup, j'ai envie de te dire, on va le pousser jusqu'au bout. Ah. Oh, ok. Moi je vais aller chercher le coffre. Remonte. Ça m'embête. Il faut que je dépense mon argent. Il n'y a pas moyen, il faut que je dépense mon argent. Il faut que je retrouve Baba. Et là, je suis en train de me rendre compte que je me suis bien fait avoir parce que je ne peux pas faire demi-tour. Ah, si, peut-être par là-bas. Oh, beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Bon, allez, vas-y. On va passer là. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Je veux d'abord m'occuper de ça. Ah. Ouais, merci. J'ai pas vu Baba d'ailleurs. Baba devrait être quelque part normalement. Ça, c'est la carte, voilà. Ça nous aidera pour le pour la suite. Par contre, j'aimerais vraiment trouver Baba. Ah, vas-y, monte. Là-bas, je suis sûr qu'elle est là-bas. Non, pourtant les peaux ne bougent pas, donc ça m'étonnerait qu'elle soit là en fait. Non.
Elle est peut-être pas dans ce donjon, mais si, pourtant il me semble qu'elle est dans tous les donjons là-bas. Très bien. Ok. Et je repars comment? Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. Ça m'embête qu'il n'y ait pas Baba là. Elle est où Baba? Ou alors elle était au début et je l'ai pas vue. Ça m'étonnerait même pas. Hein. J'ai raté Baba juste avant, ça m'étonnerait même pas. Ah, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pots? Oh non, mais laissez-moi. Ok. Merci. Baba, baba, baba. Je reviens au début, hein, parce que je sais pas où est-ce qu'elle peut être et ça m'embête. Est-ce que je l'aurais vraiment raté quelque part? Ou est-ce qu'elle est pas là? Non, bon, tant pis. Tant pis. Je pourrais pas partir par là du coup. Tout bêtement. Ah si, maintenant je peux passer là. J'ai ouvert le raccourci. J'ai ouvert le raccourci donc c'est bon. Ok. Fallait juste pas que je me prenne la tête. Il y a un truc là par contre, j'avais pas vu. C'est pour aller à la suite. Non, c'est de là d'où je viens. Oh, mais lâche-moi, toi. Et moi, je veux aller là-bas. Donc, ouais, ok. Pas compliqué. On prend ça. On tire. C'est bon? C'est agressé par des bestioles là. Bon, du coup, je peux pas attendre là-bas, j'ai rien à récupérer. Du coup, on va remonter par là. Et on va... Bah, en fait, faut que je me souvienne que ce coffre-là, c'est des rubis. Et ça, à aucun moment, je m'en souviendrai, malheureusement. Je pense que j'aurais oublié, et arrivé à la fin, je vais dire, ah bah pourquoi j'ai oublié, j'ai pas pris ces rubis. Dis-moi que Baba est là. Je sais pas pourquoi j'ouvre ça, je suis sûr que c'est des rubis. Ah non, c'est des bombes, ça va. Sauvé.
Mais bah ça c'était sûr que toi t'étais un vrai squelette. Que faire un squelette face à un chien hein? Ah, attends. Hey. Allez, meurs! Oh. Ah, merci. Ça marche, à plus tard, Panda. Très bien. Baba, t'es là? Oh putain, mais où est Baba? C'est pas possible, ça. T'ouvrir toi? Les bombes encore. Ouais, très bien. Bah, c'est clairement pour te dire, faut que tu utilises les bombes ici. Moi, je viens de là-bas, donc c'est là qu'il faut que j'aille. Et on va encore monter d'un étage. Très bien. Puis j'allais là-bas. Je me dis sur un malentendu, Baba est peut-être dedans. Hein. Alors là-bas c'est pareil, là-bas il y a quelque chose. Ramenez-vous. Et Spike. Allez. C'était pas ça. Ah, il doit y avoir un ordre, mais comment je le connais cet ordre? Perdu. Ah mais si, sois intelligent. Et allez. Et... Ok. C'est bon. Du coup, celui-là et celui-là. On n'a toujours pas l'objet du donjon. Je sais plus s'il y en a un dans ce donjon. Ah, très bien. Là, il est là. Ah. C'est vrai que celui-là, il se multiplie. Alors. L'attaque et le quatrième. Et du coup ça va nous ouvrir la suite du donjon là, mais on a toujours pas d'item. C'est fou, on a fait une bonne partie de la quête, je pense.
manque encore tellement de trucs. Ok, ok. Non, ok, ok, d'accord. Du coup... Seul, on n'y a jamais été, du coup, ça m'étonne pas que... Que ça soit plus tard. Pour le moment, j'ai raté qu'un coffre. Et c'est celui où il y a des rubis. Donc pour le moment, on est bon. On est bon. Donc là, on arrive ici. Et on va pouvoir directement... Hop, aller là-bas. Trop bien. Bah lui il arrive par le dessus. Bon après on s'en fout. Ça change rien pour nous. Et du coup là la porte va se rouvrir. Super. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'elle se rouvre pas. Je lui dis quoi, j'ai oublié quelque chose. Mais en fait il y a autre chose à faire. Ok, très bien, la suite. Par contre on n'a pas eu de mini boss encore. On a eu des mini mini boss là, les fantômes, mais on n'a pas vraiment eu de vrai mini boss. Je me débarrasse de ces merdes là parce que... Ok. Alors, visiblement là-bas il y a un coffre. Un coffre avec la clé boss, mais pour le moment je dirais qu'on ne puisse pas y aller. Ok. Pour le moment je dirais qu'on peut pas y aller, donc je dirais qu'on va aller par là-bas. Ah, ok, très bien. Alors ici, je crois qu'il y a pas mal de coffres. Oh, meurs. Ah bah, comme ça, moi. Ah mais en fait je peux descendre. Ok donc là on est tout en bas et il y a une porte à clé. Mais sans la clé. Donc il faut que je récupère la clé. Du coup, porte à clé. On va essayer de remonter parce que je suis sûr que petit à petit on a des coffres qui vont se... Oh, meurs, s'il te plaît. Ok. Ensuite. Non. Alors, faut qu'on remonte un peu. Là, on a dit qu'il y avait rien. On peut remonter encore un peu. Yes. On peut remonter encore un peu. Et là, y a... Ah, là, il y a une... Oh. Et... Non. Bon, bah, je dirais qu'il faut qu'on remonte encore un peu. Ah, merde. Fallait pousser. On remonte. On remonte. Ok. Les rubis? Non, la clé, ok. Très bien. Et du coup, là, je vais me retrouver en bas. Oui, il va falloir qu'on...
Ok, oui, donc c'est assez linéaire en fait, je suis en train de voir. Et il nous reste combien de coffres à choper? Alors, il y en a plein en bas. Ok, d'accord. On peut pas repasser par là, donc on va redescendre. Oh putain, il est revenu lui. Allez, on redescend. Ah, non. Ah oui, on est arrivé en bas. Très bien. On a encore une petite lumière bleue là-bas, je sais pas ce que c'est. Ah oui, alors attendez. Par là apparemment. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah! Bien que je passe par là, que j'ouvre et que je revienne. Ok. Ah, il y en a encore qui sont revenus, hein. C'est pas possible ça. J'imagine que ça se referme après, sur le temps que j'y aille, ça va se refermer. C'est un mécanisme. Oui, ça se referme. Pas grave, je connais le chemin maintenant. Ok. Très bien. Très bien. C'est quoi ces bruits? Allez! Allez! Aïe! Ok. Mettons en mode humain. Ça sera plus facile à contrôler. Ah, quelle est cette chose? Très bien. Oh, Baba! C'est maintenant que tu te montres! Elle se montre à la moitié du donjon, quoi. On a, enfin, même pas aux trois quarts du donjon, parce que là, on a presque fini, je pense. Rangé. Ok. Ensuite, ok, très bien. Alors là, déjà, faut que je garde ça, parce que sinon... Là, ils viennent pas vers moi, regardez. Ils me tournent juste autour. Je sais pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Il y a beaucoup trop de choses à cet endroit là. Ici. Ouais, c'est dingue ça, dès que j'utilise à peine... Ok. Là-bas je peux pas y aller pour le moment. Donc effectivement c'est par là qu'il faut que j'aille.
Très bien. Alors. Très bien. Voilà. Ensuite. Qui donne de PGM? Exactement. Par là? Ah putain, il y en a encore un. Oh. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Au revoir. Ok. C'est quoi ça? Ça ouvre la porte. Ouf. Non. Ça ouvre la porte de... qui était là-bas, c'est ça? Oui, là c'était fermé tout à l'heure. Ensuite, oh dis donc. Ok. On est pas mal, on est pas mal, je pense. Je trouve mieux ce Zelda que Majora's Mask. Ah oui, oui, clairement, ce Zelda est bien mieux. Enfin, moi, je le trouve beaucoup mieux. Ah oh, putain, oui, c'est vrai que c'est ce boss. On va combattre une épée. Moi, je le trouve grave, enfin beaucoup mieux. Il est moins sombre, mais il est Majora's Mask est vraiment très bizarre hein, au niveau du gameplay. Lui, il a vraiment une sale gueule par contre, de mémoire. Aïe. Allez, attaque. Voilà. Je crois qu'après il faut que je me mette en mode humain. Non, non, non. Alors par contre, séparé, merci. Ah, 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 ah. Arrête de bouger. Arrête de bouger. J'ai pas eu le temps de réagir. Ça va, assez facile le mini boss. Hein. Il est où? T'es mort! Oh. Il se transforme en chauve-souris.
par là-bas. Ça, c'est l'item du donjon normalement. Et vu ce que j'ai vu avant, ouais, c'est ça, c'est l'aérouage. Ce véhicule des temps anciens vous transporte en flottant au-dessus du sol. Allez! C'est génialissime comme. Il est où l'aérouage? Là-haut. Très bien. Très bien. Hop. Demi-tour. Et je crois que c'est là. Attends. Si, là, je peux y aller par là. Et la suite, c'est par ici. Ou est-ce que j'aurais pas raté quelque chose? Ouf. Non, parce que là, on a tous les coffres ici. Il nous reste deux coffres, sachant que celui du dessus, là, c'est la clé du boss, on l'a aperçu tout à l'heure. Et celui du bas, c'est un gros rubis. Là, on a beaucoup de coffres. Le problème, c'est que je vois pas ce que je peux utiliser. Où est-ce que je peux dépenser mon argent? Je sais qu'il y a des endroits où je peux... Ah si. Ouais, mais plus tard, peut-être. Attends. Baba. Normalement, on revient dans cette pièce, hein. Oh, j'ai le mini baba! Mais je ne vous ai pas présenté mon fils! Lorsque tu voudras revenir ici, demande-lui de te téléporter jusqu'à moi. Si tu veux que l'on se retrouve à l'entrée, ne te téléporte pas ici. Si tu veux que l'on se retrouve à l'entrée, ne te téléporte pas, entre simplement dans le donjon. Bon. Eh bien, bon voyage à tous les deux. Soyez sages. Ok. On va revenir dans le donjon. Je veux juste aller dépenser mon argent et je crois qu'à Cocorico. Je crois que Balder nous demande une cagnotte. Mais je ne suis pas sûr. Puis-je redevenir un humain? Si. Le problème c'est que là c'est la nuit, ça va être fermé chez Balder. Quoique non, lui il est ouvert 24h sur. Mec. Mais dis-moi, as-tu vu l'un de nos fils à la citadelle? Il a un problème, non? Les galeries Bader qui sont organisent une collecte de fonds pour réparer le pont. Minerve. Je voudrais qu'il soit le jour. Où est la lune? Ah bah il n'y a pas de lune. Je crois que le temps passe plus vite quand on est dans la plaine d'Hyrule, donc on va rester ici et on va attendre qu'il fasse jour. Pas mal comme, comme idée, non?
Quelle heure il est? Oh putain, oui, il est déjà 16h49. Oh là là. Ah oui, il y a eu le dernier épisode de Zelda Majora's Mask qui est sorti aujourd'hui, dis donc. Ça y est, il fait jour. What? Aïe. J'allais dire on va faire une pause le temps qu'il fasse jour, mais même pas, on a même pas le temps. Rien. Après, c'est vrai que j'aurais pu explorer Cocorico pour tuer des âmes de spectre, parce qu'il y en a dans Cocorico. Bienvenue aux Galeries Balder. Nous avons appris que le peuple plié sous le joug des prix exorbitants pratiqués dans la boutique de la citadelle. Fort de cette information, les galeries Balder ont de suite conçu un plan de sauvetage pour répondre à leur détresse. Premièrement, nous réparerons le pont qui relie la plaine à l'ouest de la ville. Deuxièmement, nous ouvrirons un magasin et proposerons des marchandises à des prix bas toute l'année. Malheureusement, les fonds à notre disposition pour mener ces projets sont insuffisants. Faites un don pour la création d'un commerce équitable dans la citadelle. Exactement. Faites un don pour pour upgrade mon setup et pouvoir vendre beaucoup plus de choses moins chères à la citadelle d'Hyrule. C'est pour la bonne cause, alors soyez généreux. Il vous manque 1000 rubis. T'as de la chance que je suis riche. Tiens. Allez. Oui, bah, hey, j'essaye, hein. Ah, je me sens beaucoup plus léger. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Elle. Je pensais que le jeune Zara allait mieux, mais il reste toujours dans son coin. Il ne cherche pas à nous parler, il file au cimetière de bon matin, et on ne le voit plus de la journée. Ah. Alors, avant. Ah. Madame Lasagne, bonjour. Publicité bien placée, exactement. On va aller voir... je sais plus comment il s'appelle. Le prince Zora. Lars. On va aller voir Lars. Lasagne, bah oui, lasagne. On dit toujours bonjour à lasagne. Entendre lasagne, ça me réveille autant que d'entendre Spire. Remonte. À la surface. Lars. Vous êtes Link, c'est cela? Mère m'est apparue en rêve. Elle m'a montré votre image. Elle m'a aussi dit qu'un héros au nom de Link nous avait sauvés, moi et mon peuple. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait. Si je puis vous aider de quelque manière que ce soit, faites-moi part sans détour. Je vous en prie. Je ne suis pas certain de pouvoir venir en aide. Je n'ai même pas été capable de mener à bien la mission que mère m'avait confiée. Je ne suis pas digne de mère. Je n'ai pas l'étoffe d'un souverain. Alors tu vas arrêter tout de suite. Ah. Bon, bah pour le moment, il nous sert à rien. Faudra sûrement qu'on revienne lui parler plus tard. Remonte. Allez, on va pouvoir aller refaire le plein de rubis. Monsieur, on va voir ma maman. Moi, je veux entendre Panda dire cette phrase.
Mais il est pas là, c'est dommage. Voilà. Dakodak, on y va alors. Je suis sûr, ça irait trop bien ça, la voix de Panda. Hop, très bien. On va reprendre à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait? On n'avait pas. On a ça, mais on n'en a plus besoin. On va prendre les bombes. On va prendre les bombes. Non, non. Oh. Bah, je vais mourir. Et les lasagnes, ça réveille l'estomac de tout le monde. Attendez. Récapitulons. On a un coffre tout de suite sur la gauche. Remonte. Monte là-dessus. Sauvé. On a encore eu de la chance. Non. Là. Y'a pas moyen que tu fasses la voix de Panda comme tu faisais la voix des fées dans Major. J'ai retiré voice mode parce qu'en fait ça me servait à rien. Ah mais attendez. Quoi? Un deuxième coffre. Alors. Ensuite, je peux aller à plein d'endroits différents. Mais pas Paris. J'essaie de récupérer vraiment tous les coffres parce que sinon je vais m'y perdre. Ok, un rubis jaune, ça valait le coup. Très bien. Très bien. Non, on remonte. Remonte, s'il te plaît. Par là. Voilà. C'est quoi? Un fragment de cœur, parfait. Par contre, j'ai vu que... Alors, s'il te plaît. Voilà. Tu meurs? Merci. Tac. Et on repart. Ah! Top! Je sais pas où faut que j'aille. Temps mort. Monte là-dessus, monte là-dessus. Très bien. C'est pas possible. Non. Remonte.
Ah, stop. Vite, vomis, monte. Voilà. Mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Attendez. Si je fais rien, est-ce que je vais pile au bon endroit? Hop! Alors. Coffre par là-bas. Ah, très bien. Ah ouais, mais non, soyez pas deux. Vous êtes chiants à être deux. Voilà. Ah, tu m'excuseras. Voilà, merci. Coffre. Très bien. Map. Alors. Récapitule. Là, il n'y a plus de coffre. Là, il n'y a plus de coffre. Là, il reste deux coffres. Très bien. Bah super. En plus, on va pouvoir aller chercher le coffre du bas. Oh, c'est cool. Ok. On a presque fini le donjon. Alors. Nous, on veut aller par là-haut. Ah, ok, très bien. Un enfer. Et je suis censé faire comment là? Parfait. Et voilà. La clé du boss. Ta-na-na-na. Ensuite. Hop. On va revenir là après. Mais je voudrais aller d'abord chercher le coffre qui se trouve là-bas. Parce que maintenant que j'ai assez de place dans ma bourse, on peut aller la chercher. Il y en a pour 2 secondes. Hop. Tac. On va se débarrasser des bestioles là. Allez, venez. C'est tout. Allez. C'est bon ce coup-ci? Est-ce que je peux travailler tranquillement? Non, regardez, l'autre il va venir m'attaquer là maintenant, regardez. Là, regardez, allez! Non, ça va, il a pas réussi à me toucher. Parfait. Ok. Tout ça pour un rubis rouge. Parce que si on a tous les coffres et on peut continuer, on peut aller
faire le boss. Hop. Très bien. En avant. Raté. Faut s'éjecter au bon moment, hein. Genre maintenant. Maintenant. Ah, je le fais trop tard à chaque fois. Comment je suis censé monter là-haut? Si je vais tout en haut, il se passait rien. Hein? Ah. Maintenant? Ah, top! Voilà. Voilà. Allez, on tourne, 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 on tourne. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh. Je tourne tellement fort que ça fait des étincelles. Oh! Très bien. Et ben, on monte. Aïe, top. Attendez, 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 attendez. Voilà. Voilà, à tout moment, ça sent le boss, hein, quand même. Là, on arrive sur le boss. Pensez vraiment qu'il est vivant ou qu'il est mort? Là, il a l'air mort, hein, mais dès que je vais m'approcher...
Oh, Xanto. Encore en vie, ce titre de héros aurait donc quelques fondements. Que cela est regrettable. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent. Que tu crois. Il l'a réveillé, c'est ça. Il l'a réveillé. C'est obligé, il l'a réveillé. Mais oui, il l'a réveillé. Mais oui, il l'a réveillé. Ah, et comment on est censé tuer un truc qui est déjà mort? Aussi gros en plus. Ah, mais y'a que le haut. C'est quoi ton petit nom? Umbaba, antique terreur ressuscitée. Viens, là. On va aller éjecter ces... Une colonne vertébrale, ça sert à rien. Ah. Maintenant. Ah. Aïe. Aïe. Pourquoi il y a autant de monde là, dis donc. Oh. Attaqué par derrière. Maintenant. Je disais une colonne vertébrale, ça sert à rien. Ah, accélère, accélère, accélère. Ah, problème. Mais genre sérieusement. Maintenant. Trop nombreux. Je m'énerve, hein. Il y en a une qui arrive, il y en a une qui arrive. Oh non. Ah. Mais non. Pas par devant. Maintenant. Ah. Mais non. Vite, remonte. Non. Pas prêt. Voilà. A plus de colonne vertébrale. C'est bête. S'en va où le sable? Qui a tiré la chasse d'eau? Pourquoi il n'a pas explosé? Très bien. Que pouvons-nous faire? Ah si, il y a un truc là. Voilà.
ta marche, bonne Assassin's Creed. Voilà, très bien. Comme quoi, je le disais bien, une colonne vertébrale, ça sert à rien. Aïe. Où qu'il est? Il est là. Viens là. Ah, il est là. Non. Aïe. On t'attend en vogue pour faire une voix off. Exactement. Ah, il est de retour. Non! T'as quand même le son? Du coup, t'as entendu ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait besoin de toi pour faire une voix off. Ah, ce coup-ci, je l'ai eu. À l'attaque! Encore. Bah en fait, on avait besoin de ta voix pour faire la voix du petit de Baba. Oh. Ah mais je suis un peu débile sur les bords moi quand même. Ouais, mais y a pas de. Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou pas. Bah écoute, comme tu veux. J'essaie de rester concentré sur le combat de boss hein, quand même. Hein. Encore un cran. Oh. Parti. Alors moi je trouve que ça t'allait bien de faire cette voie là. Oh, putain, il y en a de l'autre côté aussi. Très bien.
l'attaque. Yes. Je pense que c'est bon. Ah ouais, ce coup-ci il a explosé. Très bien. Allez Link, on y va. Le miroir des ombres est tout proche. Hop. On est à combien de cœurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah cool, on a la moitié des cœurs. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là sur Zelda. Je pense que c'est une bonne idée, non? Je pense qu'on va s'arrêter là. 17h21, yes. Ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter juste là tout court. Je vais pas continuer sur de la chasse, j'ai pas spécialement envie, j'en ai déjà fait tout à l'heure, on a eu Meltan. On en refera demain de la chasse. D'ailleurs demain on fait des expéditions Tocorico, demain matin, on y pense. Par contre, ce soir, est-ce qu'on partirait pas sur la suite de Spyro? Moi je pense que ce soir on va partir sur la suite de Spyro. Hein. Ouais. Du coup rendez-vous 21h30 pour la suite de Spyro. Alors là je parle au chat Twitch, mais YouTube, nous c'est terminé. D'ailleurs on voit presque plus, je suis dans le noir. Du coup YouTube, bonne soirée, à la prochaine. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous voulez voir un petit peu plus de Zelda. Sachant que je rediffuse cet épisode bien longtemps après le tournage. Donc, à plus YouTube.